L'autre jour en me levant, j'ai senti tourner le vent. Il y avait comme un air de fête qui sifflait sur ma tête. J'ai descendu l'escalier, j'ai ouvert l'enveloppe carrée qui contenait, quel bonheur, mes derniers droits d'auteur. Ça faisait une petite somme, quand je dis petite, c'est en somme pas de quoi fouetter le chat, lui au moins ne s'en plaindra pas. De quoi dire à mon banquier, ben je travaille, vous voyez, de quoi payer 3 factures. Et m'acheter des chaussures, je vais m'acheter des chaussures. Mais est-ce qu'il y aura ma pointure pour trouver de belles godasses? Je peux pas mettre les vieilles dégueulasses. Pour une fois que j'ai des sous, je veux pouvoir marquer le coup. Prête-moi ta paire de chaussures, même si c'est pas ma pointure. Mais faut que je mette avec tes godasses des chaussettes pas trop dégueulasses. Tu sais, quand t'as pas un sou, tu n'as que des chaussettes à trous. J'ai rangé dans mon bureau une liasse de Rotubo en prévision de mon achat, c'est plus prudent comme ça. Mais les jours ont défilé et j'ai dû un peu piocher pour avoir des fumées. Tu sais, cher, et ça me tue. Si bien qu'au bout d'une semaine, il restait de mes étrennes juste la moitié du magot. Ça file très vite les euros. Le problème pour que j'arrête, c'est qu'il faut payer des nicorettes. Ça devient une aventure de s'acheter des chaussures. Je vais m'acheter des chaussures, mais est-ce qu'il y aura ma pointure pour trouver de belles godasses? Je peux pas mettre les vieilles dégueulasses. Pour une fois que j'ai des sous, je veux pouvoir marquer le coup. Prête-moi ta paire de chaussures, même si c'est pas ma pointure. Mais faut que je mette avec tes godasses des chaussettes pas trop dégueulasses. Tu sais, quand t'as pas un sou, tu n'as que des chaussettes à trous. J'ai bien fait son magasin, essayer des escarpins, des baskets et des bateaux, des bottes et des sabots. Votre taille est épuisée, je suis vraiment désolée. Il m'en reste une en vert pomme ou bien le modèle homme. J'ai marché des kilomètres, j'ai fini mes vieilles chaussettes. Je me suis fait des ampoules, maintenant je marche comme une poule. Puis enfin je les ai vues là, au détour d'une rue. C'était elles, j'en étais sûre. Mes nouvelles, mes belles chaussures. Le cœur qui bat, on m'a toisé de haut en bas. On devait lire sur ma tête l'état de mes chaussettes. J'ai demandé vaille que vaille le modèle avec ma taille et j'ai reçu illico les pompes sur un plateau. Mon petit pied délicat se sentait là comme un roi. J'ai dit, c'est combien la paire? 250, c'est pas cher. C'est marrant, ces commerçants qui te parlent toujours en franc quand j'ai compris la bavure. J'ai retiré les chaussures, je vais m'acheter des chaussures. Mais est-ce qu'il y aura ma pointure pour trouver de belles godasses? Je peux pas mettre les vieilles pour une fois que j'ai des sous. La 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 la. Prête-moi ta paire de chaussures, même si c'est pas ma pointure. Mais faut que je mette avec tes godasses des chaussettes. Tu sais, quand t'as pas un sou. La 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 la. Complètement dépité, j'ai remis mes vieux souliers. Avec un peu de cirage, ils ne font pas leur âge. Mais j'ai compris la leçon, des chanteurs tapins roux. T'intéresses, c'est pas dur à cirer des chaussures, à cirer des chaussures, à cirer des chaussures.